no viene bolero, Chirakash Apriya. Jakalang hato basheve, un mekelo meram que tenes. Y poder que cree, yek fourier, jumping. De ben perela abigrasa ia jallok samvin marodi klopela selvigis marora jal nachela ristunge merja mito monto on va parler moi j'étais solitaire. Même quand on était beaucoup d'enfants, tout ça, je vivais un peu seule. Oui. J'ai pas beaucoup de copines, j'ai pas beaucoup Pourquoi de. Pas non, j'ai pas beaucoup de copines, de copains. Non. Non. J'étais solitaire. Aussi quand tu étais, par exemple, 14 ans, quelque chose comme ça. Oui, non, oui. Tout le temps, j'étais. Même comme on faisait de cirque, il y a plein de monde autour de moi. Oui. Je voyais plein de monde, tout. Et j'étais solitaire. Et tu te sentais aussi seule ou non? Non. Non. Non, je me sentais bien. J'étais toujours comme nettoyer la caravane. En nettoyant, il fallait toujours que je chante et je danse. Comme je nettoyais, si je n'importe quoi que je faisais, il fallait que je chante et je danse. Ouais. Parce qu'on avait beaucoup de musique, nous. Oui. Dès le matin, on mettait de la musique pour réveiller le pays. Ah oui, on mettait toujours de la musique là-dessus. Yeah. Et puis nous, on chantait, on dansait, on était obligés quand on aimait la musique. C'est ma soeur qui chantait vraiment bien. Ben, elle était à la maison de repos, elle a 83 ans. Ah. Elle était à Renard. Bonjour. Comment ta famille a vécu pendant la guerre? Qui s'en sauvaient, ils étaient dans un village, les Allemands arrivaient, ils s'en sauvaient, je ne sais pas quelqu'un les a prévenus, les Allemands, ils s'en sauvaient avec leur caravane parce qu'ils faisaient le cirque à tout moment-là. Parce que comment? Ils faisaient le cirque. Ah oui, oui, oui. Alors quelqu'un les a prévenus, et s'en sauver. Et après, ils ont appris que les Allemands, ils ont tué des gens du village. Nous, on venait du cirque, mais mon père, c'était un Manouche. Oui. Et toute sa famille, c'était des Manouches. Ah. Alors, c'est pour ça, pensant ça, les autres cirques, c'est pas le même que nous. Non. On est spécial. C'est différent. Mm. Oui. Et même maintenant, tu ne danses pas. Non, je pas. Non, j'ai trop mal aux jambes. Oui. Sauter aussi, je faisais sauter en arrière. Oui. Sauter avant. Sauter? Oui, sauter en arrière comme ça. Ah oui, tu l'as fait? Après tout seul sur la plage. Oui, oui, tout seul sur la plage. Alors au premier, je me mettais vers le sable où c'était pas sec, où c'était sec. Alors me faisait pas de mal, même si j'étais en paix. Alors là, après, ça renforçait là, à force de faire dans le sable. Ça changeait souvent, mais tout le bord de la mer, on suivait. Alors après, j'ai fait. Sur le où c'était la mer s'avait retirée, oui. C'était mouillé, oui. C'était plus dur. Oui. Alors là, j'ai réussi. Ah, puis après, j'ai fait dans le cirque et puis après, j'ai pu faire. Parce que j'ai ma soeur et mon frère qui le faisaient ça. Comme j'étais petite, oui, c'était beau. C'était beau. Oui, c'était beau. Ah. On partait tous les jours, il y avait le soleil, on se mettait sur des places, on allait à la mer à pied. Parce qu'on demandait des autorisations. Souvent c'était auprès de la mer, là. Ils nous donnaient l'autorisation, on faisait partout, quoi. Une fois, je me rappelle, j'avais été tout seul à la mer. J'avais une robe toute à fleurs, je crois, oui, c'était à fleurs. Et je revenais de la mer et je montais de la rue. Et il y a un homme qui m'a photographié. Mais il avait un petit garçon avec. Alors j'étais, tais-toi, pour pas que j'écoute, moi, pour qu'il me photographe. Alors ça, je me suis souvenu de ça. Oui. Oui, parce que ça. Ça me semblait drôle, mais me photographier alors. Et j'étais pieds nus. Oui, on était tous les étés, mais différents, parce qu'on partait tous les 2 jours, nous. Ah, tous les 2 jours? Oui, parce que pour faire le cirque, on montait le cirque, on travaillait, hop, le lendemain on travaillait, et après on démarrait la plage plus loin. Alors, on était toujours au bord de la mer, mais... Vous voulez un peu de champagne? Un petit peu, oui. Oui, 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 merci, 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 ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Tu veux que je sois ivre? Non, non. C'est pas pour un peu de... Mais après, comme il reste 100 ans dedans, il est moins bon. Après, comme il reste 100 ans ouvert, on s'est connus parce que l'hiver, après mon père m'est tombé malade. Ah oui? On a peu fait le cirque et... On a été travailler aux cerises. Aux cerises? Oui, c'est quoi? Ramasser des cerises. Cerises? Oui. Le fruit? Oui. Ah oui. Et ben là, on s'est connus. Ah, il était là aussi. Lui, il est venu après. Ah. On était là, il est venu avec leur voiture. Et puis on s'est connus là. Mais on a eu un début très dur. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle les gardait pas, elle les gardait pas. Elle restait 4 ans. 4 ans sans en avoir. Et le docteur de Paris a dit un jour, sur mon fils là, qui est là, mon fils, il a dit, Madame Metbach, vous ne l'aurez pas celui-là. Mais il est né à 7 mois et demi. Et il fait 115 kilos. Et il n'y avait pas d'école pour les enfants? Ah non. Non, pas d'école. Moi tout seul, alors j'écris très très mal. Et je ne sais pas lire. Ah non? Non, je ne sais pas écrire, mais je sais lire. Bon, j'ai mis le U, j'ai mis le A, j'ai mis les lettres. Ah oui. Et puis petit peu, en mettant les lettres. Et avec tes parents, on a toujours parlé français? Oui. Ils seraient encore là, ils pourraient leur parler, parce qu'ils ne parlent pas tout à fait pareil en France. Yeah. Mais lui, il parlait parce qu'elle était d'Allemagne, enfin, elle était de France et d'Allemagne. Il s'appelait Metbach, enfin, mettons 2 ans. Dans 2 ans, j'ai 80 ans. Il y avait plein de choses, je ne me rappelle plus. Les sœurs et les frères, ils sont à Paris. Ah. Oui, il y en a un ici. Avec le Facebook en général, tu sais. parler. Maintenant, tu peux parler. Mais je ne sais pas quoi dire. Oh non, c'est pas important. Tous les musiciens presque chez nous. Mm. Il y avait la grosse caisse, sa petite caisse, sa cymbale, la trompette. Mon frère, il jouait bien la trompette. Et le gros, on se met dedans là. Et on fait plein de tout. Et il savait jouer la guitare, il savait jouer le violon, il savait, je ne me rappelle plus plein. C'était des vrais musiciens, c'est nous. Ah. Puis on voyageait aussi, nous, hein. Oui. On a fait toute la France, on a été en Belgique, on a été en Hollande, on a été en Italie, on a été... on fait partout, presque. Est-ce que tu vas de voyager de temps en temps? Oui, on voyage encore. Oui. Ça fait, ça s'appelle une caravane. C'est vrai. Une caravane. C'est une caravane. France, je ne pourrais pas vivre dans une maison. Non. Tu sais, tu veux voyager maintenant. J'aime écouter les oiseaux. Oui. Je suis amateur d'opéra, d'opérette, oui, de grande musique, oui, classique. J'adore tout ça. Je suis un enfant de Dieu. Je prie, je chante, j'essaie de ne pas mentir, j'essaie de ne pas voler, j'essaie de ne pas faire tout ce qui est dans la Bible. Il n'y a pas de photo de saint, rien. Ah. C'est juste, on croit en l'Éternel et en Jésus. Mmh. Mais sans ça, dans les saints, tout ça, on ne croit pas. On essaie de faire tout ce qui est marqué, que Jésus a dit. Ah oui. Voilà. Eh ben, mon frère, il l'a su par sa cousine. Mm-hmm. Et après, c'est des gens comme Nivernaud qui nous expliquaient. Il y a une femme qui nous expliquait un peu. Puis après, on s'est converti. Ah oui. Oui. Nous, on croit en Dieu tout seul. On est le Jésus. Oui. On dit que là-bas, ils croyaient dans les saints. Oui. Non, on ne croit pas dans les saints. Jag har fin och börjspen här alla brä. Då jag teke undan de kotot de master bodegar. De master bodegar. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ah oui, et après, qu'est-ce que... Oh. Ouais, beaucoup de textes. Non, ça serait rien. Beaucoup de textes. C'est le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Oui, naturellement. Oui. Nous, on change, mais pas lui. Oui. L'homme a détruit la terre. Il a tout détruit. C'est marqué dedans. La mer monte, elle envahit la terre, et quand il tombe de l'eau, l'eau ne peut plus rentrer dans la terre. C'est inondé de partout, les maisons, les villages, les pays, les îles. C'est-à-dire que la Bible dit que l'homme, avec son intelligence, il se détruira lui-même. Dans les îles, la plupart des îles, ils sont inondés par l'eau, ils sont obligés de se sauver. La Bible dit que le ciel passera, la terre passera, mais sa parole à Dieu ne passera pas. C'est mes enfants qui me payent. Ah. Jag har fin och börjspen här alla brä. Då jag teke und an die Côte du marche der Bodegar, du marche der Bodegar, ma chère notre école. Tu as habité aussi à Torcy, hein? Oui, tu es resté avec ta caravane, quoi, à Torcy. Oui, combien de temps à Torcy? Ah ben, un peu de temps, puis après on allait plus loin, puis après on revenait, puis après on déplaçait comme ça. On ne restait pas toujours à Torcy. Hein? Non, non, pas tout le temps à Torcy. Non, non, naturellement. Ils ne nous laisseraient pas, mais non. C'est des places où c'est construit comme ça, plein de caravanes. Puis après on démarre, on va sur notre place, parce que la police nous fait partir. Ah oui. Mais ici on peut rester, ou non? Sur cette place-là? Oui. C'est à moi. Ah, c'est à toi. C'est à moi. Yeah.